J'espère bien te rattraper dans les VOD, le doute m'habite, mais il me semble que je me suis rattrapée. Et voyons voir si c'est encore la guerre nucléaire. Qatardo à 15h, ok, faut que je le rappelle. Alors, si ce sont un... Oh, Barry, non! Oh, j'ai mis une majuscule, c'est pas grave. Attendez, hop, à la... Hop là! Alors, hop! On a rien sur nous, non c'est bon, on va prendre à boire et à manger. Yosof, Yopère Cheval, Alec aussi, Arcaïm, Nom Nom, Roanoke, Carambolage, la modération aussi. Putain, c'est vrai qu'ils ont rempli le frigo hier. J'avais oublié. On a l'enterrement de papy dans une demi-heure. Donc voilà, faut être prêt. Bah, Et bonjour. Bonjour Kim. Coucou Kim, j'allais t'envoyer un message. J'allais me changer, il me semble, c'est le rouge est à l'honneur, je crois. En rouge, ouais. J'allais t'envoyer un message, mais bah nickel. On met les voitures en rouge aussi ou pas? Non, c'est moto. Donc nous, on a que moto ou voiture du bénisse, donc nous en moto du coup. Ok. Bon, je vais essayer de pas mourir cette fois. J'arrive. Oui. Allez. Ce qui est bien, c'est vu que les phares de la Sanctus sont rouges, je suis dans le thème. Me renversez pas, s'il vous plaît. La la li la li la la. Tant qu'on est là. Ne répond pas. Et bien sûr, bonjour à la team de l'ombre. J'espère que vous allez bien. Ouais, mais je vais...
En fait, je vais faire un truc. Je vais faire un truc. C'est ce manteau-là que j'ai. Non, c'est pas du tout celui-là. Celui-là que j'ai. Dis-moi que je peux mettre un truc. Un débardeur ou un sous-pull. Allez. Même pas? Come on! Ah, ça me stresse. Ça me stresse fort. Merci Fayez pour ton 4e mois. Et merci Michel pour ton 6e mois. J'espère que vous allez bien. Je suis content que ça te plaise, Fayez. Merci beaucoup. Ah, c'est non. C'est non, c'est non. C'est non, c'est non. Ah. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir potentiellement les gants en rouge? J'ai peur de descendre dans le tiroir des gants. La dernière fois, ça a fait tout planter. Non, c'est bon, je peux me balader sans que ça fasse tout planter. Ok. Chaussures? Oh, oh, je sais. Alors attendez. On va se taper un petit kiff. Elles sont où? Elles sont où? Let's go! Let's go! Et ben voilà, on est content. On est content. Merde. Et voilà, c'est rouge et noir, non? Eh, Yuki, on est en rouge et noir. Donc ça passe. Nickel. Kim a 14 ans de nouveau. Nickel. Pour ceux qui ne l'ont pas connue dans RPZ, ils n'ont pas remarqué. Elle portait ces chaussures-là H24, Kim. Ah, parfois, ça fait du bien, back to basic, hein. Parfois, il en faut, hein. Oui, Hannibal. Ouais, ça ou quoi? Ça va et toi? Désolé, hein, à peine je suis arrivé, je suis reparti, je me prépare pour l'enterrement de papy. Non, non, t'inquiète, y'a pas de soucis. C'est juste, tu sais, vu qu'on a un quart, un demi-million chacun, est-ce que toi tu peux payer Marc? Oui, Parce que là, j'arrive. je suis en train de faire une commande de 210 000 chez les Lost. Donc, Je vais tirer, j'arrive. j'ai les caisses et des waves des autres qui vont arriver ce soir. Je sais pas si je vais être... Je vais taper dans le rouge en fait. Non mais tu me dis, de toute façon, prends chez moi les dépenses que, genre, José, Fred, tout ce que tu veux, ou Bon, celles les que tu trucs peux pas fixes, ouais. assurer, tu vois. Et s'il y a besoin pour les caisses, anyway, tu tapes aussi, tu vois. Vas-y, ça marche. Donc écoute, je retire pour Fred et j'arrive. Ouais, c'est bien. À toutes. Heureusement, je suis pas la trésorière de l'assaut. Hein. Heureusement, je suis vraiment pas la trésorière de l'assaut. Hein. Yo hérétique, yo agent. Yo Zerto, yo Arcana, yo chat. Parce que va justifier des. Va justifier. Oui, alors du coup. C'est pour le bro Fred. Sacré bro. Ils auraient mis le nez. Bah, bien sûr qu'ils auraient mis le nez dedans. Ça aurait été du pain béni ce genre de mouvement pour eux. Yo Kyle!
La Sanctus, il y a Madame Mega, il y a Cydia. 59. Je crois que c'est la première fois que je paye Fred. Attendez déjà, je vais allumer. Je crois que this is the first time que je paye. C'est cadeau. De rien, Fred. T'es le bro, Fred. Je prends mon carnet de compta. Merde, j'ai dit que je mettrais des couleurs différentes. Aïe. Pour que ce soit plus visuel. Moins 250 000. Fred. Hop là. Voilà. Par contre... Ok. Ouais. Je te jure, t'es le putain, t'es le pire du pire. Mec, attends, j'ai pas dormi cette nuit quasiment là. Pourquoi t'as pas dormi? T'étais sur l'âge perdu? Qu'est-ce que t'as fait? Mais non, mais c'est bon là, je suis fatigué là. Ah, ouais, ça sent l'âge perdu ça. Entre ces deux-là, entre ces deux-là, à là. Il y en a un qui avait payé son loyer de la semaine dernière pour cette semaine, mais je sais plus c'est lequel. Je sais pas, je suis plus en contact avec ni l'un ni l'autre. Nickel. Super. En tout cas, les deux donnent plus de signes de vie, donc... Bah, ça, en fait, je sais même pas si c'est pas les deux qu'on peut payer déjà une semaine d'avance, parce qu'ils seraient pas là cette semaine. C'est stylé, une cyclone. Bah, ouais, hein, c'est ce que je regarde. Nira les a le payé tous les deux la semaine prochaine, de toute façon. Et Dice. Ah, Idris, j'ai essayé d'appeler, j'ai vu deux réponses aussi, il doit pas être là. Let's go. Et le Harry, pareil. Et Brian. Et Brian aussi, Brian, je crois que lui, c'est fin 1 en plus. Putain, je vais le rappeler. Faudrait aller check si les apparts sont toujours pris d'ailleurs. Ouais. Pourrait faire ça. Catardo m'a appelé, il vous a appelé ou pas? Non. Je sais que tu devais l'avoir toi Ben pour... Ouais je l'ai eu hier mais quand Miguel il l'a eu. Et alors il m'a rappelé, il m'a dit ils font tout leur possible pour que je l'ai samedi la moto. D'accord, ouais. Ok. Et bon, j'ai pas samedi, mais... Luc qui m'a appelé. Luc, c'est Luc de où? De qui? Ouais, c'est le nom de la 4. Ok. Non. De toute façon Catardo, il faudra que je la harcèle pour savoir comment on met des membres dans la fondation. Donc... Et ce qui me fait peur, c'est que Lena, ça fait 3 semaines qu'elle écrit, 3 semaines qu'il croit après le gouffre pour savoir tout. Ah ouais, c'est chaud. Donc ça va commencer à me tendre. Compliqué, oui. Bah ouais. Je vais décaler le van. Normalement on a 200 de coke. Je mettrai toute la coke dans le van. Ok. Jessica, comment vas-tu? Et bim! Bah t'as loupé un gros truc avant-hier soir du coup, Zerto. Bizarre de voir Kim avec un t-shirt. Voilà, je sais qui on va appeler.
Je sais qui on va appeler. J'ai vu ça dans l'article Weasel. Nickel. Répondez-moi. Répondez-moi. Je le vois dans un petit quiz ou pas. We are busy. Ah oui. Hello. Ah, monsieur René, vous vous répondez, ça fait plaisir. Ouais, je viens juste de monter dans ma bagnole. Comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Ça va. Dites-moi, c'est good du coup pour la veille au Bénis Nord? Ah oui, bah c'est moi c'est qui vais m'en occuper personnellement, c'est pour ça que je viens juste d'arriver. Ah bah nickel. Parce que j'ai pas le temps de faire un tour sur place avant, vu que la cérémonie commence dans un quart d'heure. Donc du coup, j'arriverai en même temps que tout le monde pour le coup. Ouais, ouais, bah je sais pas du tout. Je voulais aller à la cérémonie, mais je sais même pas comment ça se passe au Bénisor. Non, non, en fait, il y a deux choses différentes. Il y a la cérémonie, il me semble qu'il y a à l'église. Ouais. Je ne sais où. Et après, il y a la veillée Bénisor où on fait un cortège jusque là-bas. Ok, mais dans l'absolu, si moi je viens à la cérémonie avec mon rumpo. Je suis bon, non? Oui, mais faut, oui, c'est juste qu'il faut que... C'est, je vais vous appeler juste pour savoir si tout sera prêt quand tout le monde arrivera au Bénis Nord. Ah, bah il y a eu... J'en sais rien. Je pense que le patron a dû le faire, honnêtement, je sais pas du tout. Je sais pas, j'ai pas du tout le temps de passer, vous avouerez, monsieur. Moi, je gère que la partie musique. Après, je peux y aller vite fait. Mais techniquement, je suis censé faire ma VM tout de suite avant de pouvoir travailler. Ah! C'est compliqué. Oui. Au pire, je raterai la cérémonie, mais... Je serai là de toute façon à ces 19h, on est d'accord hein. Au Bénis Nord, oui. Ok. Oui. Bah, j'y serai quoi qu'il arrive. Ça marche. On se tient en courant, monsieur René, du coup. Ça marche, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bah écoute, moi je vois pas de ralentissement sur mon retour de stream. Vous avez des légers lags? Moi sur mon retour de stream, j'ai rien. Sur mon OBS non plus. Oh, est-ce que c'est Twitch ou est-ce que c'est moi? Est-ce que ça le fait à tout le monde ou pas? Parce que moi, sur mon retour de stream, j'ai rien du tout. Ah, c'est Twitch. Ok. Si vous faites F5 et que c'est revenu, c'est que c'est Twitch. Yo Sherby. Non, ça va être Twitch. Ouais, allez, zou. C'est faut y être à quelle heure? À 30. Faut qu'on y soit à 30. Et après... voilà quoi. Et il y avait une tenue particulière à avoir? Il faut qu'on ait du rouge sur nous. Nickel, je pense que je suis adapté là. Ah oui, exact. Oui, nickel. Tout va bien. Super. Bon bah j'ai pas de rouge en même temps. Mets des gants rouges, ça va plus vite. C'est bon, c'est du rouge. Vous avez vous-même les baskets en rouge, hein, tu prends pas la tête. Oui hein. Voilà, ouais. Bah faut une douzaine de boutiques alors. Bah qui a deux places? Avec la taxe. Non mais ça doit être Twitch Kyle à mon avis.
Ça va et toi avec la taxe? Bon bah les couilles. Bah, il veut pas aller. On va pas à la boutique? Je comprends plus rien moi. Oh, en fait le rouge en... Ah nickel. Non, je comprends plus rien moi. Et Tortos? Ça doit être Twitch. C'est ça depuis quelques jours donc parce que moi mes retours sont nickel. Donc là, normalement, en ville, tout le monde devrait être en moto. Hein. Attends, cortège, il part d'où, là? Moi, je suis paumé. Ok, on a l'air de faire un cortège depuis les EMS. Ouais, écoute, apparemment ils sont en avance, ils sont déjà à l'église. Ils sont déjà à l'église? Apparemment, ouais. Ah ouais, ils sont juste chauds. Ce que mes poulains disent. Ah bon? Bah... Ah ouais, ils sont chauds en fait. Bah, il faut croire que oui. Il me paraît bizarre, mais... Enfin, je vais appeler... On va voir, hein. Dites-moi si là, ça va mieux au niveau son. Salut, Chin. Vous êtes déjà à l'église, là? Ah, vous venez déjà d'arriver? Ok, bah, on arrive, alors. À toutes. Pas d'accord, zone. Donc ils sont déjà à l'église, let's go. Ah ouais, super. Heureusement qu'ils ont beaucoup d'avance, oui, en effet, ouais. Bah passe devant. Allez. Celle-là, je l'avais vu venir. Putain! Est-ce que le son ça va mieux? Ah nickel. Yo Kironi. Yo Loulou, ça va toi? Yo Kiosque. Ils sont dedans ou ils sont devant? Bon bah allez hein. Merci Angèle pour ton troisième mois. Oh, bienvenue à toi.
Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Sur la DEP. De quoi? J'ai dit le BMX sur la DEP. Ah, j'avais pas vu. Ah, oh, mais let's go. C'est tout le Bénis là-bas? Ouais. Il y a même sa Hermès. Il y a tous les véhicules sauf sa Chopper. Ah, il y a la Roosevelt, j'avais pas vu. Ouais. Oh, c'est stylé ouais. En vrai. Vous voulez aller l'air. Putain, j'arrive plus à parler. Vous voulez aller les rejoindre? Je laisse Jade et Ben décider. Ben. Merci Homtrou pour ton prime. Merci bah, beaucoup. Moi je. je suis plus là. C'était déjà mort, putain. Ouais, moi je suis plus là. Faut pas me. Bah aller avec eux hein, ce sera mieux que de rester seul ici, je pense. Je pense. Bah je pense. Hein. Voilà c'est Twitch, j'ai des bugs aussi sur mon tour les gars. Allez. J'ai de la latence aussi sur mon tour. Oh, elle est si belle la Roosevelt comme ça. Oh là là. Il est mon Simon. Ouais Simon. Oui. Petite chemise rouge, c'est tout. Bonjour. Et après les filles, elles ont mis un petit rouge avec une veste noire, chaussures rouges, voilà. Oui, monsieur Catardo. Hey, bonsoir, madame Collins. Comment allez-vous? Ça va et vous? Je vais bien aussi, oui. Nickel. Bon, j'ai votre réponse, oui. Ah, alors dites-moi tout. Donc, pour le bénévolat, vous savez que lorsque vous avez été inscrit, ou ce que vous avez rajouté votre fondation hein, dans le 21 groupe. Oui, je l'ai. Donc, les personnes qui sont intéressées par votre fondation, vous leur donnez le lien de 21 groupes. Mm-hmm. Et de là, ils disent, comme vous avez fait pour, de votre côté, de dire que c'est pour la fondation Collins. Et voilà, comme ça, ils seront inscrits dans votre fondation. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de papier ou de paperasse ou autre affaire. De votre côté, vous ferez quand même le listing de ceux qui vous rejoindront, mais c'est tout. D'accord, ok. Donc c'est ça. Donc à chaque personne qui veut le rejoindre, vous les inscrivez là-dedans, vous leur donnez le lien et ce sera tout bon. Ça marche. Ben merci à vous, monsieur Catardo. Donc et voilà, et de votre côté, un petit listing pour notifier toutes les personnes qui sont dedans et c'est bon. Voilà. Ça marche. Nickel. De rien, madame. Merci Collins. À vous, bonne soirée. Bonne soirée, prenez soin de vous. Merci vous aussi. Au revoir. Madame Collins? Oui, Rita. Il est lourd. Vous n'osez pas vous prévenir? Ah, mais vous inquiétez pas. Yoko Rank. Tout le monde appelait Jacqueline Madame Collins, donc c'est logique qu'elle change de nom aussi. Hein. Yomotuaf. Ça commence déjà à me gonfler, putain!
Laissez-moi m'asseoir, bordel. J'en ai marre. Poc, t'es le pire. T'es le pire. T'es le pire. J'ai pas perdu. Bonsoir à tous. Allez, fallait du rouge. Comme certains le savent, je suis pas spécialement toujours doué pour les discours, surtout dans des situations comme celle-ci. Première chose, moi, merci à vous d'être aussi nombreux pour rendre un dernier hommage à papy. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le fil rouge de ce petit mot, mais justement, le rouge, parlons-en. Cette couleur un peu commune pour ce jour particulier, mais c'était sa couleur, celle qui mettait dans nos vies chaque jour. Papy et moi, on n'était pas vraiment proches, mais malgré tout, il faisait partie des nôtres, de ceux que nous aimons, et sans qui le quotidien est vide. Papy était le dernier des premiers membres de notre team event au Bénis. Il a pu m'aider au fil des semaines et des mois à vous proposer ces différents événements, et depuis quelques mois maintenant, il était aussi la voix du Bénis lors de ces événements. Comme on le sait tous, papy était un fervent adorateur de l'extrême, l'adrénaline était son quotidien, un peu comme l'hypoglycémie. Mais bon, ça, c'est autre chose. Tu nous manques déjà, papy. Tu as une belle vie ici, et je te souhaite une bonne route là où tu iras. Je sais pas si quelqu'un d'autre veut laisser un petit mot à papy. Bah, je pense que t'as à peu près résumé qui était papy au final. Quelqu'un qui était proche, mais à la fois loin. C'est vrai que... Papy, moi je l'ai connu, on est arrivé à peu près ensemble en ville. On a commencé chez Ron. Papy était tout sage. C'est un peu trop. Et puis après, il est parti chez... au Bénis. J'ai rejoint un mois après. Mais papy, je pense que même les gens qui ne le connaissaient pas s'en souviendront. Parce qu'au final, même si on avait l'impression qu'il était loin, un peu effacé par un moment, un peu dans son coin, au final, on était attachés au vieux. Souvent en train de lui gueuler dessus, moi le premier, parce qu'il passait son temps à faire des conneries à l'extrême dans l'abus. Au final, le vieux était quasiment un gamin en couche-culotte. Il écoutait pas ce qu'on lui disait, croquait la vie à pleines dents. Il vivait sa vie comme il avait décidé de la vivre, tout simplement. Au final, qu'on appréciait ou pas papy, il va laisser un grand vide au Bénis. Et peu importe ce qu'il a fait, personne ne pourra lui enlever... Ah, oui, ça va aller. Hein. Personne ne pourra lui enlever ce qu'il a pu faire pour le Bénis. Et notamment pour les événements de cette ville. Parce que mine de rien, c'est du boulot. Et même si le vieux, il était chiant, il était aussi attachant. Il va beaucoup nous manquer. Repose en paix, le vieux. Ouais, Twitch a un débit dégueulasse. Je crois que c'est normal que le stream soit dégueulasse. Oh non ! Je suis désolé. J'ai connu papy en arrivant au Bénis. Ça a été mon premier pilier dans cette entreprise. Ça a été mon premier soutien. C'est avec lui que j'ai fait les 400 coups. C'est avec lui que j'ai fait mes premiers comas. Il a toujours su prendre le bon côté de moi quand les autres voyaient le plus mauvais. Il a toujours su m'épauler et m'aider à avancer. Je lui dois beaucoup. Je lui dois tout. Il a vécu une très belle vie. Et... il nous aura tous marqués. Ceux du Bénis, ceux hors du Bénis. Je pense qu'il aura été tous là pour vous. Et
qui n'a jamais, malgré son caractère de merde, il n'a jamais rechigné à la tâche et il a toujours essayé de rigoler, de faire des conneries. Perdre non seulement un ami, mais je perds... mon papy. Et j'espère que là où il est, il veillera sur nous tous. Et qu'il nous aidera à avancer. J'ai vu papy arriver au Bénise. Il nous a tous marqué qu'on soit là encore au Bénise ou pas. Il laissera une trace indélébile dans nos cœurs, ça c'est sûr. À celle du portail du Bénise aussi d'ailleurs. Qui a goûté sa batte plus d'une fois. Et je pense que chacun d'entre vous a déjà goûté sa clé. Ouais. Il nous reste tous un bout de papy de toute façon. Et pour terminer sur une bonne note, il nous aura fait chier jusqu'au bout ce con. Repose en paix, papy. Je déteste les enterrements. Je vous le dis, hein, je déteste ça. Oh, Barry, papy, que dire ? Vous êtes partie des plus anciens du Bénise quand... C'est compliqué, papy. On pourrait associer ça à une BD qu'on voit sur certains continents. Papy fait du vélo, papy fait de l'hélico, papy fait du LM. Papy fait du vélo, n'importe comment. Qu'est-ce qu'on a pu s'amuser avec la rampe quand elle était au Bénise ? Papy se prend le portail. Papy s'évanouit pendant une custo. En fait, papy s'évanouit tout le temps. On aura fait une chanson, en bien ou en mal, je sais pas, mais on l'a faite. On a fait beaucoup de choses avec papy. On a eu des périodes de désaccord, on a eu des périodes où on s'entendait mieux. C'est jamais facile de toujours être d'accord avec quelqu'un de toute façon. Mais ce que je garderai en souvenir, c'est la volonté de papy d'essayer de créer des choses nouvelles, d'essayer de rassembler. Et d'essayer au final qu'on passe tous un bon moment ensemble. Et c'est ce qu'il a toujours essayé de faire. Faut pas tromper papy. Excusez-moi. Si on a terminé, on va se diriger lentement oula. Vers le dernier oula. Lieu de repos de papy. J'aimerais juste en profiter, justement, vu que nous sommes dans un oula. Lieu oula. Saint religieux pour glisser un petit message à cette occasion. Oula, oula. Dieu oula. A créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même.
La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de chose auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on a passé l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Nous te demandons, Dieu, solennellement d'accueillir Papy au sein de ta famille, afin qu'il puisse reposer en paix, dans l'amour de ce qu'il a pu offrir à toutes les personnes présentes ici ce soir. Amen. Tu me vois ? Tu me vois plus. Tu me vois ? Tu me vois plus. On t'entend. Simon. De quoi? Simon. Merci Bibou pour le cinquième mois, merci beaucoup. Merci du soutien. Et on a... Ouais. Ils sont en train de faire le trajet. Attends, mais c'est quoi cette blague là? Non mais là... Il y a du monde, les gars. Eh, il y a du monde. On vous dit qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a du monde, en vrai. Hein. Ah d'accord. Ah oui, non, ça c'est pas ce qui est précisé. Hein. On les suit, Jeanne ? Oui. Oui, mais non ! En vrai, il y a quand même du monde, hein. On disait, il n'y a personne. Non, il y a du monde. Hein. J'ai jamais visité le cimetière, du coup bah c'est l'occasion. Et là Kim dit Miguel, on se marre au cimetière, il va voir flou.
Il a un bouquet de roses. La chance. Je vous invite tous en une quarantaine. On va donner un repas à papy si vous le souhaitez. Courage, Carnoir. Si, mais c'est pas des bouquets de roses. Bah, je crois pas. Non, non, c'est le... J'en ai même 8. Parce que Miguel en a offert un à Kim pour s'excuser la veille, donc j'en ai 8. Mais c'est pas des bouquets de roses comme ça. Je sais pas où il l'a eu. La veillée, ouais. En sup, je pense pas. Je sais pas du tout. Je sais pas. Je sais pas du tout où il l'a eu. C'est la première fois que je vois cet objet sur le serve, donc je sais pas du tout où on peut le trouver. Le bouquet qu'il avait. C'est pas le même bouquet que Kimala, donc je sais pas du tout. Non, celui à l'église, non, je crois que c'est celui que, c'est celui que j'ai. Celui à l'église. Donc je sais pas. Non, non, l'église, je crois que c'est ce que j'ai. Tu vas me manquer, vieux con. Prends soin des autres. De là où t'es. Je vous jure que c'est pas le même. Clin d'œil, clin d'œil. Celui que j'ai dans les poches, on il me prend encore des sons parachute en binôme. Qu'il est jaune et qu'il est rose. Ah non, ça avait fait un gros truc, Romain. Y'a ta trace. C'est tout bon, Ben. Ouais. On se rentre. Bah ouais, mais faut prévenir Simon, il est au bout. Il est de l'autre côté. On y va, Simon. J'hésite à dire quelques mots. Comme tu veux. J'ai vu Miguel dans le fond ou... De René. Non, il me semble pas, sinon il me l'aurait dit. Mais allez-y, hein, si vous voulez y aller. Ah non, mais t'attends, si.
4 épisodes 10. Ah, peut-être. Peut-être top. Je regarderai ça. Je regarderai ça. Je vais me tromper quelque part. Souris. On rentre à la maison. Je vais juste lui rendre un dernier hommage. Pédon. Beaucoup de gens doivent se demander ce que je fais là, mais... La vérité, papy, c'est que... Vous braquez quand même bien les supérettes. Vous vous en paix. Il a vraiment dit ça ? Oh putain ! Génie. Allez. Pas grand monde ne savait ça, ouais. Tu m'étonnes. Bonne direction Belize Nord. C'est pas 20h30. 19h30, 20h. Ouais, bah... Monsieur ouais. Chin m'avait dit le temps qu'il fasse le trajet, le ouais. Cortège jusqu'à là-bas. Ouais. Ah, on part d'ici. Bah c'est ce qu'il m'avait dit. Et genre le truc. Au final ils seront suivis d'une veille au Belize Nord. Peut-être que j'ai mal compris. Enfin, en même temps. Pas possible que je comprenne mal mais. Grand prince. Le grand prince. Il a dit oui. Papy, tu braques quand même bien les supérettes. Merci. Le shed. Bah là, on attend ça de la veillée. Ah bon ? Ah moi j'étais sûr qu'il viendrait. Malgré tout ce qu'ils se sont mis sur la gueule, j'étais sûr qu'il viendrait. Ouais. Courage Ben, merci à vous d'être venu. À vous.
sais pas non plus. Je sais pas. J'entends pas Jade, si jamais. Elle t'entendait pas, Kim, Jade. Je parle un petit peu assez fort, ouais. Oui. Pour moi c'était 20h30 là-haut. Pour moi, hein, de ce que j'avais compris, c'était 20h30 là-haut après. 19h30, 20h, j'avais dit. 19... Ouais, 19h30, 20h. En tout cas, le Beniz, enfin le Black Cat est prêt dès 19h ouais. Là-bas. Donc, Hein ? Il faut qu'il y ait le téléphone. Hein. Ah. Je me dis pas que c'est l'hélico de papy quand même. Après, faut que je me pose Villa pour préparer la partie Discord de l'assaut. Envoyer les invites. Rebonjour. Bonsoir, Rita. Yo. Ça va aller ? Ouais. Allez, maintenant, je vais pouvoir passer à autre chose. Mm. Mais oui. Maintenant que c'est fait. Ça aura mis du temps, mais. Ah, surtout quand t'es proche de la personne. Ouais. Pas trop. Enfin vous aviez pensé pareil qu'il y a une veillée mais bah, c'est... Bah, je suis pas, même en fait, pas au courant qu'il y en avait une à vrai dire. Ouais, j'ai mis ça en place avec l'accord de Monsieur Chin. Normalement c'était diffusé dans le Weasel. D'accord. Il y aura Black Cat sur place. Monsieur Chin voulait la faire au Beniz Nord. Du coup, c'est Black Cat. Il y a Blapa, il y a Black Cat. Nourriture et boisson. Il y a normalement de la musique, mais c'est pas là, c'est l'installer. Et le BCSO d'accord. Aussi est au courant. Ouais. Bon, moi j'attends que quelqu'un me rapporte. Papy. Ouais. Moi j'attends de savoir si je revais de nuit monde ou pas. Mes vies sont tous véhiculés là. Mmh. Je crois que c'est eux. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Ouais. On se retrouve là-bas, Rita. Ça marche. On va au Beniz Nord sinon, pour la veillée. Ça marche. Je suis. Oh non.
Ah, attendez, j'ai mon OBS qui est dans le rouge, les gars. Il est pas content, mon OBS. On va faire un truc. Je traverse le tunnel et je mets sur le côté et je le relance. Attendez. Ah bah j'ai quand même pris ce putain de radar hein. Allez-y, je vous rejoins, vous inquiétez pas. Ouais, allez-y. Attendez, je reviens. Des bisous YouTube.